Le pétrole représente 45% des besoins en énergie finale du pays. Un prix du gazoil qui avait fortement baissé en dessous d'un euro le litre, et compte tenu de la remontée des prix du pétrole récemment, plus des taxes, et notamment la taxe carbone, une remontée des prix au niveau de 1,25 voire 1,30 euros le litre. Supposer que la loi de transition énergétique, les hypothèses soient confirmées, on arrive quand même en 2030 avec 33% de pétrole pour satisfaire les besoins énergétiques. Donc, on reste une industrie clé, stratégique, essentielle pour les Français. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des préoccupations d'émissions, des préoccupations climatiques, c'est que les moteurs sont de plus en plus économes. On devrait arriver assez rapidement à 3 litres au 100. Donc, on va dans le sens d'une réduction de la consommation de carburant, c'est clair et précis.